Rebonjour et re-bienvenue. Re-bienvenue pour cet épisode, me semble-t-il, 62, n'est-ce pas? Je ne sais plus, j'ai perdu le compte, tellement je bourre le contenu. Le compte est nu, hein, comme l'empereur. Hein. On va encore faire de la merde en artillerie. C'est prévu, c'est au programme. On va encore se faire contourner comme des gros noobs. Ça aussi, c'est totalement prévu, c'est au programme. Ah. Ça fait très longtemps que j'ai pas commencé du côté ouest de la map, alors je tiens à le dire aux gens. C'est ici que ça se passe, E6. Totalement en E6 que ça se passe. Et alors comment est-ce... Ah, faudrait que je sois au sud, ouais. Faudrait que je sois au sud ou alors je reste à peu près là où je suis. Je me foutre sur cette espèce de... Cette espèce de truc là. On va s'y mettre, on va faire semblant de se dire qu'on va être inattaquable par des moyens conventionnels. Oui, monsieur le moyen, je suis une artillerie, je ne vais pas aux mêmes endroits que vous. Peut-être que vous voulez me protéger, mais en fait, vous savez, je crois que vous allez servir à rien. Bon, alors, là, j'ai totalement le goulet absolument stratégique en vue. Évidemment, les mecs ne vont pas être là. Ah putain, vous avez envie de me faire regarder au sud? Bon, bah écoutez, on va regarder au sud. Apparemment, les mecs sont au sud. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein. Merde. Ah bah écoutez, je n'ai pas d'angle. Comme ça c'est bien. Ah bah oui, je n'ai pas d'angle, c'est pour ça. Voilà pourquoi je n'ai pas d'angle. Clouc, clouc. Est-ce que vous êtes toujours prêt? Ah putain, essayez. Et maintenant il y a des gens là où je disais. Là où je disais d'azé. Ah 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 ah. Mon petit KV1, alors je vais t'expliquer comment ça se passe par ici. Je te bolosse d'en haut et toi tu dis, ah là là, mais quel salopard avec son artillerie. Il me défonce complètement. Merde. Ah là là. Ah, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et en tout cas, il sait qu'il y a de l'artillerie, donc il flippe. Du coup, je vais essayer de niquer son pote qui se croit à l'abri. Il se croit totalement à l'abri, voilà. Bim, ça c'était pas si mal. Disons que il doit se poser des questions maintenant. Le T-34, est-ce que je peux le terrorifier? Ah, ça va être difficile, ça va être difficile. Bon, personne ne spot au sud, tout va bien. Toi, ton SU-85 là. Tu sais, oh baby, tu me donnes envie, baby, baby, baby. Allez, viens par ici. Viens voir papa. Ah merde. Bon coup critique quand même. Je sème la terreur et la désolation parmi la compétition. Bon, c'est pas suffisant ici. Bon, toi, t'as pas compris la leçon que si tu es derrière, je te vise en priorité parce que tu te crois à l'abri. Ah merde, il a arrêté d'avancer. Trop anticipé. Anticipage d'Azé. Anticipation, anticiperie, merde. Bon, du coup, on va aller voir. Tup, 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 tup. Ouais, tu es par là, tu es par là, tu me plais, tu me plais. Hop, hop, hop. Tu me plais, tu me plais. Allez, allez, cale-toi quelque part. Voilà, quelque part où tu serviras bien à rien. C'est à ça que ça sert d'avoir un char léger, c'est de rester dans sa base. Bim. Bon, j'ai peut-être servi à rien. Bon, alors évidemment, il se passe des choses maintenant au nord. Au nord, il y a les corons. Rappelons-le. Il y a les corons. Hashtag la grossophobie, tout ça. Merde. Merde, 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 merde. Je sens que ça... Je sens qu'il se passe des choses.
ne me plaisent pas dans mon. Bah, allez. Bon, bah, voilà. Voilà un superbe tir qui aura été totalement utile. Bon, les gens réclament de l'appui. On va leur donner de l'appui, puis, puis. Merde, ah, bah, évidemment, si le mec bouge. Si le mec bouge, je ne garantis plus rien. Vous avez intérêt à ce que ce soit le bon. Bon, bah, voilà. Ah, j'entends des mouettes. J'entends des mouettes. Est-ce que c'est le Benoît? Le retour des mouettes de le Benoît est-il totalement présent? Ah non, là c'est des vautours plutôt. Je sais bien que les mouettes sont. Ah, coup critique. Oh, ça fait moins le malin là. Bon, les gens, si vous vouliez bien vous occuper des choses qui se passent. Putain, j'ai plus d'angle sur eux, quoi. J'ai plus. Windows de merde. Ah, on dirait que j'ai récupéré au moins une partie de l'USB. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, n'est-ce pas? Oh là là. Oh là là, mais la team fout rien, mais de chez fout rien, quoi. La team fout rien, même, dirais-je. Ah, bon. J'avoue, monsieur, j'avoue d'azé. Merde. Oh là 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 là. Oh l'esquive de bâtard. L'esquive. Je suis blasé d'azé, hein, j'avoue. J'avoue. Je suis blasé. Je suis totalement blasé. Je suis totalement blasé. On m'entend. Ah bon, bah déjà ça me rassure. Putain d'ordi. Alors là aussi, l'USB qui se dit. Ah bah tiens, mais voilà. L'USB qui se dit, ah bah tiens, je vais partir en grève, c'est quand même assez dégueulasse, il faut bien le dire. J'avoue quand même que c'est cramé. Bon, bah merci la team, hein. Merci d'avoir spoté avec une grande efficacité, hein, n'est-ce pas? Bon, alors, vous avez vu que la caméra pouf, oh bah tiens, je vais me foutre en PLS. Pourquoi? On ne sait pas, mais hop, PLS. C'est. Voilà, c'est Windows, hein, c'est Windows. Genre de truc qui arrivera jamais ever sous Linux, mais voilà, c'est Windows. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le pire, c'est que ça débranche vraiment tout mon USB. Hein. Tout mon USB. Alors, le mec, il dit qu'il va spotter le centre. Écoutez, moi, je veux bien, mais je vais essayer de me trouver une petite plancouze. Hein. Pif, pif, pouf, pouf. On va rester là. On va rester là, d'azé. D'azé. Oula, oula, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Tout, vous saurez tout sur l'USB, mais totalement, c'est totalement ça. Merde. Ah, apparemment ça a touché quelqu'un. Apparemment ça a touché quelqu'un. Oh, pas la main, ça a touché quelqu'un. Ah, apparemment, je lui pétais la chenille à l'autre. Ah, bah voilà, bien joué les mecs. Bien joué les mecs. Alors, il va peut-être y avoir moyen de faire quelque chose sur cette partie de merde. Non, elle est pas si de merde que ça, la partie. Je suis méchant. Je suis méchant. Déjà, il y a que du 5 en face, donc je ne vais pas me plaindre trop. Allez. Ah, putain, il a bougé. Il a bougé. Il a bougé d'azé.
Moi, j'essaye de cover les gens qui montent sur la colline parce que je sais que la colline, c'est un endroit stratégique, comme dirait Chill. Bon, et sinon... allez. Oh, putain. Oh, l'esquive de bâtard. L'esquive de Balthazar, le bâtard. Allez, allez. Allez, piou piou piou. Ah bah allez, voilà. Je regarde mal les gens. Les gens meurent, mais oui, voilà. Ah, ils font plus les malins là, hein. Oh là là, le mec qui s'arrête. Le mec qui s'arrête. Oh putain. Oh putain, j'ai la haine. J'ai la haine. Ah, par contre, je vais essayer de m'occuper de ce qu'il y a au sud, parce que ça annonce rien de bien pour la suite de la partie. Voilà. Pif. Déjà là, ça a dû te calmer un peu, hein, du con. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ok. Bon, maintenant que ça ne spot plus au sud, on va essayer de voir ce qui se passe par ici. Par ici, il n'y a rien que je puisse atteindre. Oh, au moins d'un coup absolument magistral. Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ah bon, bah voilà. Voilà. Voilà, tu m'as l'air de te croire bien à l'abri dans ton petit coin d'enfoiré. Ouh. Bon, bah, apparemment, ça s'achemine quand même pour être une victoire, une des rares victoires de la matinée. Je crois que je ne m'en plaindrais pas si nous gagnons. Je crois que 12 à 4, il y a quand même moyen qu'on gagne. Il y a peut-être moyen qu'on gagne. Hein. Je ne voudrais pas m'avancer indûment. Et ils sont sans doute terrifiés par les histoires, les légendes qui racontent au coin du feu d'une artillerie absolument diabolique. Hein. Putain. Alors toi, je te calcule et je te dis merde. Oh là là, putain, non, c'était très 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 mal, très 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 mal calculé. Lui, il va reculer. Il va fatalement reculer. Non, il recule pas, apparemment. Merde, 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 j'aurais peut-être pas dû. Oh là là, non, mais en fait, j'aurais dû aller encore plus bas. Enfin, encore plus vers l'avant. Je me comprends. Alors, par contre, il a la pression. Hein. Il sent que les choses se passent. Il sent que je vais essayer de le ninja. Ah non, voilà. il sentait que j'allais le ninja comme un bâtard. La team a fait son taf. Hein. La team a fait son taf. Je la remercie. Voilà, piou piou piou, les véhicules ennemis détruits. Mais voilà. On gagne totalement. Medium tank, tout ça. Mais non, j'ai plus qu'à l'acheter, lui. Oui, je n'ai plus qu'à l'acheter. Et même pas même chose pour la MiG-40. Non, le SU, machin. Ah bah non, le SU, il faut que je le fasse progresser. Bah tiens. Est-ce que je peux pas lui ajouter quelque chose? Ça serait ce qu'il me faudrait en fait. Mais j'ai envie d'avancer vers le SU 122 parce que franchement là, ça avance pas vite. Hein. Ça avance pas vite, 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 vite. Ouh, ça sent la peur, la mort et la destruction. En fait, cette map-là, il y a toujours moyen de maroufler par ici. Et donc, du coup, je tiens à dire aux gens de faire gaffe. De faire ultra gaffe. Il y a deux artilleries en face. Je vais essayer de les blind shot si je peux. Vroom vroom, gentlemen, start your engines. Non, non mais ta gueule, toi, ta gueule. Oh là là, mais...
Piu, voilà, attention à D8, attention à Direct 8, c'est une chaîne qui va faire fondre votre cerveau. Je me demandais si on pouvait se poser la question, c'est est-ce que Pierre Perret serait interdit de nos jours s'il sortait, s'il sortait ses chansons? Ça serait pas impossible, hein, vu l'hystérie, les diverses hystéries, mais surtout une en particulier, vous-même, vous savez, une hystérie qui me tient tout à fait à cœur. Ah, mais oui, mais reste là, mon gars, reste totalement là. Ah, bon. Ok. Ah bah oui, mais bah oui, mais personne ne va par là. Personne ne se dit, tiens, mais si on allait vers le côté droit. Hein? Hein? Bande de cons, là. Bande d'abrutis. Vous me cassez d'ici, moi. Là, vous pouvez compter sur moi pour vous protéger, bande de bâtards. Vraiment, vous me donnez envie de vous protéger. Je ne demandais que ça. Je ne demandais que ça, que ça, que ça. Piu. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a un petit peu d'allonge? On a un peu de jarreau d'allonge. Et les vrais savent. Merde, putain, j'ai du rouge, du rouge, du rouge. Ah bah oui, voilà. Ah bah évidemment. Ah bah évidemment. Ah merde, il a tué le pote. Il a tué le pote, donc ça veut dire qu'il va disparaître bientôt. Il est en train d'aller par ici. Je le focalise. Bon, je l'ai pas touché. Je ne l'ai point touché, n'est-ce pas? Même pas une fois au chalet. Au sergent chalet. Merde, merde, merde. Merde, merde, merde. Je suis pas à un bon endroit. Putain. Oh là là. Oh là là, je sers tellement à rien et ma team a tellement pas spoté là où elle aurait pu. Oh là là, mais oui, coup critique, mais oui, et tout ça par le connard qui faisait le tour tout à l'heure, qu'on s'est bien gardé d'arrêter, hein? Parce que voilà, arrêter les mecs qui sont en train de nous contourner, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Je vous le demande. Le sel, le sel, je me douche dans mon propre sel. Je me douche dans l'aisselle aussi, l'aisselle, hein? Voilà. Bon, le SU5, ah bah défaite, bah tiens, je vais pouvoir en refaire une. Bon, bah voilà, refaisons-la. En moins crispé, naturellement. Est-ce qu'il me reste? Non, il ne me reste plus de café, voilà, c'est pour ça. Je vais avoir recours aux nanomachines. Les nanomachines sont totalement présentes, comme vous le savez. Oh, mais oui, la putain de bataille impromptue que les gens sont incapables de comprendre. On l'a réussi tout à l'heure. Je ne vais pas. Enfin, je crois qu'on l'a réussi tout à l'heure. Je ne sais plus, en fait. Mais s'il vous plaît, quoi. Bataille impromptue, c'est le drapeau. Il m'arrive, moi aussi, de me gourer, hein, j'avoue. Mais s'il vous plaît, le drapeau. Le truc de bâtard, le KV2, quand même. À propos de truc de bâtard, j'ai bien envie de me taper un putain de kebab. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de kebab. J'ai une envie subite de kebab. Pourquoi est-ce que je parle de bouffe? Hein, voilà. Ça me prendra. Je me fais du mal à moi-même.
Allez, vroom, vroom, vroom. Capoeira Mataum, comme on dit. The Sarko. J'ai envie de dire, mon gars, tu retardes. Quoique. Qui sait ce qui peut t'arriver? Il y a des choses horribles qui sont totalement, plus horribles qui sont totalement arrivées. Ah, ça commence un peu à détecter au nord, là. Ça commence à détecter au nord, on va essayer de faire quelque chose. Ok. Piu-piu-piu. Alors toi avec ton L4, je vais t'apprendre que se balader dans une décapotable en pleine guerre n'était pas une bonne idée. Tu me crois pas? Eh bien écoute, on va viser. Oh merde. Bon, bah écoute, on va viser à peu près, hein, au pif. Ah pif, point de capture réduit. Tatata. Donc je l'ai touché. C'est toujours agréable. Et apparemment, tu n'as pas compris la leçon, donc on va te la réapprendre une deuxième fois, puisque... Ah, bon, d'autres s'en sont chargés pour moi, puisque la répétition est la base de la pédagogie. Merde. Ah, quand même. Quand même, je l'ai un peu touché. Ah là, montre-moi sur le tank miniature où je t'ai touché. Piu piu piu. Alors, le Cromwell, je vais te cramer avec ton Cromwell. Ah merde, il est trop loin. Ah oh, le salaud. Le salaud, il est pas loin, mais il est trop loin quand même. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Ça, c'est un peu le cancer des artilleries quand t'es en limite de portée. Ça, c'est chiant. Bon, il y a des fois ça permet de réduire le. Hop, 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 hop. Ton yag machin, il est caché. Il s'était caché. Oui, il y a des fois ça permet de réduire les probabilités, mais. Bon, et si quelqu'un voulait bien s'occuper de ce connard-là, hein? C'était pas trop vous demander. Ah putain, il s'est arrêté le con. Ah, ça aurait pu. Bon, et sinon, les gars, ça vous dérangerait pas de faire quelque chose là? Les mecs, ils ont pas réalisé que c'était grâce au talent de leurs artilleurs qu'ils étaient en train de gagner la partie. Voilà, et voilà. Et voilà, et voilà, j'ai attiré son attention, n'est-ce pas? Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'Azé? Putain, coucou Lugi835, sois le bienvenu. Le sel est totalement présent, hein, le taux de salinité est pire que dans la mer morte. Franchement, voilà, la team fout pas grand-chose était totalement présente. Alors la lecture. Oh, la lecto, oui, j'ai des trucs à rechercher dessus. Oui. Bon, la lecto, hop, est totalement legit. Alors, on va légitimifier. On va légitimiser de les tuméfier. Oh. Tagadagadam. Alors, c'est quoi ça? Hein? Oh, mais non, mais qu'est-ce que tu fais avec un AMX40? Mais non, c'était pas ce que je voulais! Oh! Bon, écoutez, j'ai envie de dire. Daisy. Putain, mais non! J'ai jamais voulu ça! J'ai jamais voulu ça! Les spectateurs sont témoins! Les spectateurs sont totalement témoins que je n'ai jamais voulu ça. Et alors, pour. Pourquoi je perds des images alors que rien ne bouge, qu'il ne se passe absolument rien de ma vie?
Coucou Jonas et merci pour le host. C'est à croire que c'était un host totalement manuel. C'est à croire que tu es trop feignasse pour régler l'auto, salaud! Bon, en tout cas, ça va être une partie sous le signe du je ne voulais pas ça. Zblé, Jonas, zblé. Putain, j'ai jamais voulu ça, quoi. Je voulais pas faire une partie avec la MX40, bordel. J'ai fait ma partie, j'ai fait ma part. Est-ce que vous, vous faites la vôtre? Oh. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile. La matinée est difficile pour ne pas changer. Oui, on parlait tout à l'heure de la stabilité du truc. Je me souviens que quand j'ai joué à Rocket League l'autre jour, je crois que je n'ai pas eu un seul plantage. Parce que voilà, hein, peut-être que Rocket League est pas programmé avec le fion, pas entièrement du moins. Donc voilà. Il n'y a pas l'intention et le choix de faire un host. Bah oui, non, mais il y a des fois, par exemple, pour les gens qui se lèvent 4 heures avant que toi tu te lèves, ça peut avoir une utilité, vois-tu, Jonas. Bon, lui, il veut pas se pointer, il veut pas se pointer, il veut pas se pointer. Oh, par contre, il y a du méchant là. Oh, il y a du méchant. Ouais, t'aimes sincèrement ce que je fais, ouais. C'est pour ça que tu viens me rejoindre. on avait Benoît tout à l'heure sur le Discord, mais là je crois qu'il est allé s'occuper, il est s'occuper de mouettes un peu dissidentes. Street Fighter V m'a pas fait planter en stream parce que je ne l'ai pas encore streamé, donc forcément, c'est un peu de la triche. Ah. Ouh. Bing. Bing, tout ça s'annonce. Oh putain, tout ça s'annonce super mal. C'est un peu comme Superman, mais en plus mal. Il y a un truc que je soupçonne, c'est que je soupçonne les drivers Nvidia d'être totalement optimisés pour Rocket League, qui est quand même un assez gros jeu, et pour Street Fighter V, et probablement moins pour World of Tanks, je ne sais pas. Mais bon, je pense que World of Tanks, voilà, c'est un petit peu codé à la vodka, hein, c'est fini à la vodka. Le peuple réclame un gars islandais. Ah oui, totalement, totalement, Jonas. Le peuple aura ce qu'il veut, le peuple aura ce qu'il mérite. Oh putain. À savoir une artillerie qui n'est pas couverte. J'ai envie de dire bravo, nous on dit bravo, bravo pour nos narines. Putain, les mecs, sérieux, vous pouvez pas défendre un petit peu, quoi. F4, bordel, défendez la base. La base d'Azé. Défendez la base. On est complètement basé, j'ai envie de dire. On est en train de se faire baser. Allez, allez, zouzouzou. Zouzou, debout les zouzous. Merde. Merde. Oh putain, mais le mec il m'esquive. Oh de la mort. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai voulu passer l'été à la cité, mon père m'a dit là. Bon alors, on est tous rassemblés sur la colline pour un dernier baroud d'honneur. Ah bah oui, what, c'est totalement un truc de hipster. J'ai envie de dire, regarde la taille de ma barbe. Et tu verras que c'est totalement un truc de hipster. Oh. Hipster ou dazé.
Non, je suis quand même le plus avancé et en tant que dernier éclaireur, c'est quand même normal, mais n'en faites pas trop tout de même. N'en faites pas trop, les amis. Ouh. Oh, j'ai fait un point de dégâts, mais que se passe-t-il? Ah, coucou, Papy Fraga, sois le bienvenu. Putain, mais ah, arrête de bouger, salaud! Pif! Oh, je l'ai ninja! Oh, je l'ai ninja! Oh, oh, cette filouterie! Bon, ouais. On dira que c'était pour cover mon pote. Ah, bah voilà. Voilà. Je crois que c'est. Oh, on est encore à 11-11, dis donc. Je crois quand même que cette partie s'annonce très très mal. Très très mal, très mal, mal, mal. Mais après tout, c'est pas grave. C'était pas ce que je voulais de toute façon. Moi, je voulais faire de l'Alecto. Hein. Je me lève tôt pour l'Alecto. Oui, la drogue, la drogue, la drogue est très présente. Mais ah, allez. Vas-y, le jeu fait pas tant pis. Sinon, Jonas, j'étais curieux de ce que tu pensais au final de Logan. Bon, je sais bien que voilà, tes goûts sont ce qu'ils sont. Mais je suis curieux de voir ce que tu as à en dire. Coucou Raptor, je ne sais pas ce que tu entends par ça bug de ouf. Si tu veux dire que c'est en 15 FPS, c'est normal. Si tu veux dire que c'est moche et que ça fait des artefacts, c'est normal aussi. Dis-toi bien que les gens qui regardent mes streams ne le font certainement pas pour la qualité ni du jeu ni de l'image. Hein. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Après, voilà, le son est totalement parfait. Mais donne-moi ton avis, hein, donne-moi ton avis. Je suis tout à fait curieux de l'avoir. Mais oui, mes capacités en upload étant ce qu'elles sont, on va dire que je peux pas faire de miracle non plus, voyez-vous. Mais parce que là, OBS me dit non, ça va pas trop mal. Donc bon, je ne me formalise pas trop. Hop, 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 hop. Hop, 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 à base de hop, 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 voilà, le backdash café. Le backdash café est totalement présent. Et évidemment, on est les deux seuls connards à s'occuper. Ben oui, ils le font pour la barbe, tout à fait, ça fratère. J'ai envie de dire, c'est la barbe. Mais oui, les potes sont totalement absents. Sont totalement absents du truc machin là. Comment est-ce que je ne vois rien? Comment est-ce que je ne détecte rien? Ce n'est pas possible. Ah. Oh. Oh merde. Bon, je vais me bouger. Oh. Merde, 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 merde. Il y a un truc qui serait bien un jour, ce serait d'avoir un tank dont le blindage ne serait pas totalement fait en papier mâché. Parce que putain, je peux pas dire qu'il soit très efficace. Oh putain, lui il va venir, il va venir, il va essayer de me bolosser. Non, non. Que se passe-t-il? Et que se passe-t-il? Les gens ont-ils arrêté de vouloir me bolosser? Ça serait pas plus mal, hein, je ne veux pas m'en plaindre, mais. Je me méfie tout de même des trop bonnes nouvelles. À un moment, il y a eu 2 FPS. Oui, c'est jamais que 7 fois moins de FPS que ce qu'il y a d'habitude. Non, mais c'est normal. Hein. Hashtag blame Twitch.
La qualité est sans doute meilleure sur Hitbox, donc si jamais tu vois le lien sous la vidéo là en bas, il y a probablement le lien Hitbox que je ne saurais trop te conseiller. Merde, oh là là, ça devait totalement le toucher ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Putain, oh le mec il a joué à Néo entre mes putains de tirs quoi. Sans fratère. Un upload de soviétique. Mais respectez le matériel soviétique s'il vous plaît. Hein? C'est ce que je veux dire, voilà. Oh là là, ah, ça respecte pas le soviétisme. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Ici, j'ai pas besoin de le faire, j'ai juste besoin de prendre des thunes. Bon, bah écoutez, rechercher, il me reste quoi? Il me reste ça à faire. Ah bah non, là aussi que des thunes en fait. Bon, bah du coup, le medium tank, rechercher. Ah bah non, là aussi que des thunes. Écoutez, on va faire un petit coup de sexton parce que voilà. Voilà, on a le sexe qui pèse une tonne. L'IS-3, je sais plus lequel c'est l'IS-3. J'avoue, j'ai un peu oublié. Mais je note la suggestion, Raptor. Je note la suggestion. Ah, c'est un de ceux avec le côté un petit peu pyramidal en des Illuminati. Allez, les Illuminati marxisto-soviétiques, n'est-ce pas? Bien connus. Mais tu vois, là pour l'instant, je suis très très loin de l'IS-3, malheureusement. Ah, je crois que j'ai l'IS-3 sur console, c'est le tier 8 lourd soviétique, non? Je crois que je l'ai sur. Oui, lignée du T-28, voilà. Bah, le problème, c'est que je suis au T-28. Ah putain, Himmelsdorf en artillerie, sérieux? Sérieux quoi. Putain. Bon alors soi-disant il se passe des choses au château, donc je vais dire aux gens d'aller au château. Ouais, lignée du T28, le problème c'est que ça met une plombe à monter. Et en fait, en console ça montait relativement vite, mais sur PC le grind est quand même un peu plus dégueulasse je trouve. Hein. Mais ouais, l'IS-3, je l'avais sur console, enfin je l'ai toujours sur console techniquement. Et j'avoue, il est très sympa. Il est très sympa, la tourelle un petit peu façon soucoupe volante retournée est très efficace pour les rebonds. Ça, c'est indéniable. Je veux dire, c'est dans mon livre, c'est vérifiable. Et du coup, voilà. Bon, alors voyons si ça va détecter des gens. Si ça va détecter d'Azé. Ah, merde. Et merde, j'ai plus d'angle. Ah putain. Genre, j'ai tellement peu d'angle que ça. Oh là là. Ouais, si les mecs viennent par ici, je peux les choper. Ah putain. Et ceux de là-bas, là. Oh oui, je peux te faire des choses à toi. Merde. Ah putain, mais arrêtez de bouger. Mais pourquoi les gens bougent? Si seulement ils étaient un peu plus. Ah, coopératif, justement, coopératif. Toi, je vais te coopérativer le fion. Bon, bah. Voilà, les choses se passent. Je regarde les gens mal et ils meurent. Tiens, toi, je te regarde mal. Regarde comme je te regarde mal. Bon. Ah. Le rap des musclés. Toi, voilà, toi. Yo. Oh là là. Alors, Panzer 4H, si tu pouvais reculer un petit peu, parce que je pense que je. Oh. Non. Bon, bah voilà, je ne sers à rien. C'est triste et ma vie, et pourtant, non, je n'ai pas choisi. Ah là là, les mecs sont cachés. Les mecs sont cachés, ils s'étaient cachés, les mecs. Ah, je pense que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose.
Après, il faut l'anglais, sinon tu fais percer partout. Effectivement. Mais surtout, c'est un peu comme le T28, faut éviter de montrer trop la caisse aussi. Parce que la tourelle est complètement un truc de malade. Mais la caisse, c'est un peu moins, hein, quand même. Ah putain. Les mecs sont pas joueurs. Les mecs en face sont tellement pas joueurs. On dirait qu'ils craignent de perdre. C'est quand même fou ça. Allez, allez, viens avec ton M4. Viens avec ton M4. Moi, j'aime pas les M4. Ah putain. Et tout, tout, tout. La, 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 la. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Une artillerie? Oh! Oh, mais est-ce que tu réalises que tu vas mourir dans la seconde? Ah, putain, merde. Ah, bah voilà, voilà. Voilà un obus qui aura bien servi. Voilà un obus qui aura totalement fait le taf. Bon, écoutez. Je sens que voilà. Toi, ah, bah toi, je peux m'occuper de ton cas. Ah, putain, il avance, évidemment. Oh là là. Ok, ciao ciao Raptor, sois le bienvenu, follow, tout ça. Ou pas, hein. Je ne... Ah putain! Ah, coup critique. Bon, bah voilà, j'ai servi un peu à quelque chose. Je ne blâmerai certainement pas quelqu'un qui n'a pas envie de me follow, hein, j'avoue que... Je le comprends. Ah putain. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Mais vous êtes fous! Oh oui! Oh là là! Oh là là, je me casse! Je me casse! Je me casse! Je me casse totalement d'ici! Que vraiment, ça m'intéresse pas, vos histoires! Bon, et quelle gueule à la partie! La partie, oui, on est un peu en avance, mais franchement, c'est tellement dégueulasse! C'est Himmelsdorf en artillerie, c'est. J'ai envie de dire quel général a demandé, tiens, on va foutre une artillerie en pleine ville. Ça va bien marcher. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, bah écoutez, on va avancer vers le drapal parce qu'apparemment tout le monde s'en fout. Et mine de rien, 12-9, on est encore capable de la perdre, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer comment on fait. Ah merde, je n'ai plus de café. Il me faut des nanomachines. Bon, ce sera probablement la dernière de la journée, je m'en excuse. On verra s'il y a des gens que vous followez ou si vous-même vous streamez, manifestez-vous que je vous host. Sinon, bah écoutez, je trouverai quelqu'un que moi je follow et puis on fera ce qu'on pourra. Bon, voilà, je vais leur mettre la pression. Je vais leur mettre la pression. Et si ça se trouve, je pourrais leur tirer dessus depuis ici. Ça serait quand même la rigolance. Zoup, 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 zoup. Ah, merde. Merde. Bon, allez, on va dire qu'on tire au hasard. Oh putain, il était pas loin. Oh, il était pas loin, le salaud. Oh là là, même pas je le ninja. Oh là là. Oh, je ne suis pas saucé. Je ne suis pas saucé. Oh là là. Comme dirait sa sainteté B2OB, suce-moi la bite, sale PD. Ah putain. Bon. Bah, bien joué, bien joué, bien joué. Bah, écoutez, sur cette magnifique réussite, je vous souhaite une bonne journée et je vais voir si je peux hoster quelqu'un d'une manière ou d'une autre. On va essayer de faire ça. Ah bah non, le Alecto est pas fait. Oh putain, le Alecto, tu me fais chier, mec. Bon, ok, il y a le Alecto à faire, on fait l'Alecto, et ça va être fini. Et votre calvaire va prendre fin.
Ah, c'est... Bon, tac tac, rappelons-le. Donc, touc touc, tac tac. Hein? Si c'était pas assez explicite, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On va passer à gauche. Ouais, il va sans doute y avoir plein de boulets. Ah non, non, ok. On passe à gauche. J'ai été mauvaise langue, hein, j'avoue. Allez, on n'a pas touché. On n'a toujours pas touché. Je crois qu'on ne fait rien de notre vie. Ah putain, enfin j'entends un peu mon coéquipier. J'entends un peu mon coéquipier, mais il a décidé d'être d'une silenciosité remarquable. Ah, le M3, je le perce. Bah écoutez, moi je veux bien. Pif, pif, ouf, ouf. Allez, je le kill, je le kill. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Bon, lui, je crois qu'il a avancé un petit peu trop à mon goût. Et putain, mais les mecs, vous faites quoi là? Vous faites what the what? Hein? What's de quoi? Bon, voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a des artilleries? Il n'y a pas d'artillerie. Bon, et sinon, vous vous êtes rendu compte que, y avait un drapeau à capturer? Non, parce que je sais que je pose des questions bêtes, hein, mais je me demandais si vous étiez au courant. Oh putain, si on vous avait envoyé le mémo. Oh putain. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Je suis une victime des circonstances. Oh putain. Oh putain. Bon, a priori, je suis détecté. A priori, je suis détecté. Oh putain, lui il est là. What the fuck, qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Hein? Coucou GG, oh putain. Coucou GG. Sois le bienvenu, ça fait un petit moment. Hop, hop. Malheureusement, tu arrives un peu tard parce que, a priori, si on gagne, c'est la dernière de la journée. Mais sois néanmoins le bienvenu, hein. J'essaie de voir ce qui je veux hoster. Si jamais tu as une idée de host, n'hésite pas à me la donner. Ce sera tout à fait la bienvenue. Apparemment, personne chez eux n'est allé vers le drapeau, parce que oui, pourquoi on jouerait les objectifs, hein? J'ai envie de dire, mais quelle idée de jouer les objectifs? Je dirais même plus, les objectifs, c'est pour les gens à la sexualité douteuse, n'est-ce pas? La sexualité douteuse d'Azé.
Hop, 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 toi là. Oui, on te focalise et on te dit adieu à ta chenille. Merde, ou pas. Bon, on va essayer le réservoir. Pif! Oh, le ninja! Oh, le ninja! Désolé la team, hein, mais c'est pas comme si j'avais dit depuis 1 heure qu'il fallait aller vers cette putain de base. Parce que je l'ai quand même dit depuis le début de la partie, hein. Ça fait plaisir de voir à quel point les gens sont totalement, totalement stratégiquement aware. Ils sont aware de dedans leur chat, tu comprends? De toute façon, moi, Adam et Ève, la pomme, j'y crois pas. D'ailleurs, la pomme, c'est très bon, c'est plein de pectine. Bon, bah écoutez, on va capturer la base. TD Arty, non, pas vraiment. Je fais quand même beaucoup d'Arty, un peu de TD, mais je fais très peu de médium. Je fais du léger, du lourd, en fait, je fais un peu de tout. Hein. Je fais un peu de tout, mais plus d'Arty que d'autres choses. Pas tant que ça de TD. Je dois avoir 2 ou 3 TD. Le problème étant que bah faut encore gagner les. Faut que je progresse pour avoir plus de lourds aussi. Genre, normalement, je devrais avoir 2-3 lourds. Là, j'en ai que un parce que voilà, hashtag, je ne l'ai pas encore gagné. Je n'ai pas encore gagné d'Azé. Oh putain, le con. Ah putain, le con. Ah, il m'a réduit mes points, mais. Ah, la saloperie. Ah, la saloperie. Voilà. De toute façon, on est 3 à capturer. Il est baisé. Il est baisé, il peut rien faire, il est baisé. Mais j'avoue le mind game de l'artillerie, ça me plaît beaucoup. Hein. Ça me plaît beaucoup parce que ça fait du. Oh putain. Le mind game de l'artillerie, ça me plaît de faire un gros pari à chaque fois que je tire. Ah, tu veux, bah écoute, pour le coup, on serait tout à fait complémentaires. Ah, voilà, on va perdre en partie à cause de moi. Bon, bah du coup, vous avez le droit à un bonus. Encore une partie au motherfucking Alecto. Du coup, je vais peut-être devoir faire une partie avec autre chose. Un dirty clicker. Parce que je dis aux gens d'aller sur la map. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, je ne vais pas le nier. Alors, je crois qu'il y avait une histoire de. Ah, c'est. Oui, c'est le Vesp que je. Oui, je vais retourner ma Vesp. Donc, je vends cette saloperie. Je vends cette saloperie. J'envoie les mecs se faire foutre. 38-999. 38. Merde, 38-999. On vend tout ça et on achète le Panzer 4B. Et ben pour le coup, je vais pouvoir faire une partie avec en attendant que l'Alecto soit de retour. Ça se trouve, il est déjà de retour. Non, il n'est pas encore de retour. Donc du coup, tac tac, ça vous fera de quoi patienter. Et oui, merci, combattre. Vous êtes gentil. Mais oui, donne-moi des munitions. Oh là là. C'est celle que tu utilises. Ah tiens. Ah tiens. Moi, écoute, j'ai dû la faire il y a très très longtemps, donc je l'ai un peu oublié en console. Hein. Je me souviens surtout de l'artie tier 7 allemande qui était magnifique. La tier 10, elle est pas mal non plus, mais la tier 7, elle était magnifique. Ah bah en même temps, on veut se déplacer en artie, oui. Si tu te déplaces normalement, c'est que t'es déjà beaucoup dans la merde. Hein. C'est pour ça qu'il faut vachement anticiper. Et c'est pour ça que je suis stressé de. Je suis stressé de la vie quand je sens que les mecs ils vont contourner quoi. Ma cam a figé. Oui, ça fait un petit moment que la cam a figé. Hein. Je suis désolé. Ça a figé quand il y a eu tout, vous saurez tout sur l'USB. Ça c'est le cancer de Windows, la stabilité, tout ça, tout ça. Ah mais on dirait presque. Ah mais en fait c'est pas vraiment une tourelle quoi. Ouais, c'est pas vraiment une tourelle, d'accord.
Elle est bizarre cette artillerie. C'est marrant, j'ai pas souvenir. Je me demande si elle y est sur console. Bon, on va essayer de faire quelque chose de nos vies quand même. Quoique, est-ce que je ne devrais pas... Ouais. Oh putain, c'est vrai que niveau déplacement... Niveau déplacement, c'est difficile. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Oh, ça passe juste à côté. Elle est précise, elle visse assez vite. Ah bah, j'ai envie de dire, ça change... Ça change des autres artilleries allemandes, parce que celles dont je me souviens, en tout cas, elles ont tendance à être surpuissantes, mais à viser super lentement, et ça, c'est assez difficile. Et à viser super lentement tout en n'étant pas super précise non plus. Non, mais écoute, je vais m'en accommoder. Si c'est précis et que ça vise vite, moi, ça me dérange pas, hein. Ça, franchement, j'ai rien. Ah ben, bon, évidemment. Alors, le fait aussi qu'il y a un gros angle de canon, ça c'est sympa aussi. Parce que c'est aussi un autre problème des artilleries allemandes à niveau un peu plus élevé, c'est que leur débattement de canon sont ridicules et que du coup, t'es tout le temps en train de tourner ta caisse, tourner ton châssis, c'est pas. Et ça, c'est super chiant. Bon, alors lui, je l'anticipe. Je l'anti... Ah bah non, non, je l'anticipe pas, en fait. Non, c'est pas... Les artilleries américaines. Bah écoute, pourquoi pas les artilleries américaines, mais j'aime pas beaucoup les charricains. Hashtag anti-américanisme primaire. Bon, je sais que le T-29, il est sur la liste, hein, parce que pour moi, il est craqué. Je sais pas s'il est craqué en PC, mais en tout cas, en console, il était tellement craqué, quoi. J'ai fait d'ailleurs une vidéo massacre au T-29, que je vous recommande, hein, si jamais ça vous intéresse. Ou vraiment, vraiment, je fais une partie, mais tellement craque sort de ma vie, quoi. Les Light US, oui, les Light US sont sympas. C'est le M41 Bulldog et le T71, je crois qu'ils sont. Ah putain, évidemment, le mec bouge. Le mec bouge, mon obus arrive à côté. La la li, la la la. Allez, 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 reste là avec ton lourd. Non, non, n'essaye pas de t'échapper. Tous tes efforts sont ridicules et inutiles. Ah, face à mon psycho-pouvoir, bordel. Oh là là. Oh là là, ce tir de merde. Ça, c'était vraiment du bon gros tir de merde. Je suis désolé. Là, au niveau de l'artillerie, là, le game n'est pas présent. M3 Stuart et Chaffee. Oh oui, non, mais le LCAMX, il est totalement sur ma liste. Hein. Ça, je tiens à le dire. Ah, voilà. Voilà, là il se passe des choses là quand même. Ah, mais le LCAMX c'est tellement horrible. Le super plat et tout. C'est le fait qu'il soit super plat, je trouve, qui est le plus avantageux. Parce que bah du coup, dès qu'il y a une taupinière, tu peux te cacher derrière, les mecs ils peuvent rien faire, à moins d'être artilleur, quoi. Oh putain, merde. J'ai cru qu'il allait venir, hein, mais il est pas venu. Oh, mais toi, j'ai totalement un angle sur toi, mon gars. Est-ce que tu réalises que j'ai un angle sur toi? Même pas. Tu crois que tu es à l'abri derrière ta petite colline, hein? Mais moi, je vais te montrer le pouvoir du petit prince des collines, mon gars. Ou pas. Ou pas. Hein? Ou pas, j'avoue. Ah putain, ça me vénère, et voilà, 10 à 7, et vous allez voir comment on va perdre, parce que les connards, ils sont pas là pour spotter. Bon, voilà, il faut que je me casse, il faut que je me casse, ça va être dégueulasse. Ah, ça me vénère, oui, ça me vénère. Maîtrise la volée, la visée, tu recolles des grosses tornéoles, c'est clair.
Ouais, non, mais les arts US, ça m'étonne pas qu'elles se voient craquer. Je les ai vues en face, c'est chaud. Hein. Oh putain, oh putain, oh putain, voilà, oui, ça me vénère. On va remercier très fort la team qui a très bien défendu. Hein, je veux dire, voilà. Et surtout, n'allez pas capturer, hein. Surtout, ne capturez pas, il risquerait de se passer des choses. Heureusement qu'il y a la zik pour me faire rigoler. Hein. Parce que putain, ça me vénère, oui, ça me vénère. Ah, mais le Alecto, j'ai réussi, mais oh! Ah oui, non, mais exploser un tigre. Bah écoute, l'artillerie tire 7 allemande, j'ai fait des coups, mais c'était dégueulasse. Je crois que mon meilleur coup, c'était un truc à 1600, un truc comme ça. Tu te dis, oh putain, c'est ça que je veux. Et le pire, c'est que tier 8 et tier 9, elles sont tellement dégueulasses. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis allé par là? Enfin bon, bref. On va s'interrompre là. Donc, je vais essayer de vous trouver quelqu'un à hoster qui vaille quelque chose. Je ne garantis rien sur ce front-là. Hein. Parce que voilà. C'est la marmelade de ma grand-mère. C'est la marmelade de ma grand-mère. Alors, qui Sangwen, bah écoutez, on va hoster Sangwen, je suis désolé. Je suis désolé, je n'ai pas mieux à vous proposer. Donc on va tenter la méthode manuelle ici. Donc je vous dis bisous bisous, merci d'avoir été là, merci d'être venu et à bientôt hein, sur Twitch probablement peut-être demain et sur YouTube demain 10h, toujours demain 10h normalement. Allez bisous bisous. Alors est-ce que le host marche? Le host ne marche peut-être pas. Le host ne marche peut-être pas. Le host a l'air carrément de ne pas marcher du tout. C'est un problème, c'est tout à fait un problème. Twitch Streaming U, oui, c'est là qu'on va aller. Alors, est-ce que je host quelqu'un? Non, je ne host personne, et donc on va dire tac tac tac. Putain, c'est tellement chiant de ne pas pouvoir balancer ça sur IRC. Voilà. Est-ce que c'était dur à faire? Voilà.